Oui, salut Cédric, c'est Paul. Ça va? Oui. Écoute-moi, toi tu as le taureau. Est-ce que je pourrais m'en bas une pour saillir? Quand il te joue, toi? Oui, mais c'est-à-dire quand tu veux. C'est vague. T'es à la ferme. Le temps de crocher la bétaillère. Alors on fait comme ça. Ouais, à tout à l'heure. Merci. N'importe quand. Eddy! On va les mettre dedans. Hein, Robin? Hein? J'ai toujours eu des vaches depuis tout jeune. Et puis avant, il y avait encore le papa qui en avait, le beau-père. Aujourd'hui, mon cheptel, il a une quinzaine de vaches et puis une dizaine de jeunes, génissants, veaux. Il y a assez de quoi s'occuper. Bon, bon ami. Quand les vaches ils sont en chaleur, il faut les mener au taureau. Je les amène chez un collègue ou bien alors je les fais inséminer. Ça dépend de l'état des routes. Faut qu'elles veillent pour qu'elles produisent du lait. Autrement, ils n'ont pas de lait. J'ai toujours fait ça. J'ai fait maçon, et puis à côté, je m'occupais de la campagne et des vaches. C'est une passion. Je fais ça par passion. Faut aimer parce que tous les jours, c'est vraiment un travail astreignant. Il faut aimer les vaches. Finir. Hein? Finir. Quand je suis au camp des mines, je suis au paradis. Chaque saison est différente. Chaque saison a un charme particulier. Quand la neige a fondu à l'alpage, on doit commencer les corvées. À l'époque, il y avait plus de bêtes. Les gens devaient faire une corvée par vache. Les familles avaient 3-4 vaches, ils faisaient leur corvée. Il y avait peut-être 30-40 personnes à la journée. Aujourd'hui, il y en a une quinzaine. J'avais 10-12 ans, j'étais déjà en corvée. Depuis tout gamin qu'on voyage à gauche, à droite, on connaît tous les coins et recoins de la montagne. Avec le râteau, on enlève les petites branches qu'il y a dans l'herbe. Comme ça, il peut mieux pousser. Les hivers, ils ont été un peu rudes, beaucoup de neige.
les branches des mélèzes et ils cassent. Pour manger aux vaches, s'il n'y a que de l'herbe, c'est beaucoup plus facile aussi. On entretient le paysage. Il faut entretenir les sentiers, des pierres qu'ils ont roulées. Les touristes, quand ils viennent se promener, ils n'auraient pas un paysage qui est bien entretenu. C'est les communes, les bourgeoisies doivent mettre en haut des faucheurs pour entretenir. Ça coûterait. Les Alpins, maintenant, ils ont encore une autre profession à côté, sont soit maçons, menuisiers, paysagistes, toutes sortes. Il y a des banquiers qui vont faire les corvées, il y a des gendarmes, des policiers. Maintenant, je suis responsable de l'alpage de Balabou. Vous pouvez enlever tout ce qui bouge, ce qui n'est pas cassé. Le poids des vaches, il pèse celle-ci, le 1 aussi, celle-ci, le 1. Une vache pèse entre 600 et 800 kilos, ça dépend de la grandeur des bêtes. Chaque année, on en remplace 20, 25 planches. On doit les changer parce que ou est-ce qu'ils sont cassés ou bien qu'ils sont pourris. Papa, oui, c'est beau. En 2017, on a tout rénové, la fromagerie. Cette année, on refait la cave à fromage. Tu manques pas! Parce que les anciennes planches, ils arrivaient au bout. Avant, c'était des gros tablards. Quand ils étaient humides, il fallait les changer. Il fallait tout enlever, les fromages qu'il y avait dessus. On met en tout cas 40% en plus de pièces. Beaucoup plus pratique. Avec des petites planchettes. Le reste, on nivelle le gravier un peu comme ça. Celui-là, tu gardes un mot. Tu gardes, c'est comme ça. Alpé, ça veut dire le premier jour qui monte les vaches à la montagne. La date de l'inalpe, c'est l'herbe qui décide. Il faut qu'il y ait assez d'herbe, parce qu'il n'y a pas assez d'herbe. Ça lui est arrivé qu'ils aient dû reprendre en bas les vaches pour alper vite. Une partie des bêtes vient d'Isérable, une partie du Valais, une autre partie du canton de Vaud et puis de Fribourg. Là, la race des reins, c'est pour la lutte. Les cornes, s'ils sont comme des aiguilles, ils ne vont pas. Ils ne doivent pas dépasser. S'ils sont trop pointus, c'est propice à faire des accidents. Et un gabarit. Thank you.
Le jour de l'inalpe, on mélange les troupeaux. C'est une tradition comme ça. Le premier jour, bien sûr, ils sont excités. C'est dans les gènes. Même déjà, les petits veaux font de ces luttes. Depuis petit, des fois, ils font une heure de temps, rien que les veaux. La reine, c'est celle qui gagne toutes. Il ne doit pas perdre de une, sinon elle n'est pas reine. La reine, c'est celle qui mène le troupeau tout l'été. Il y a les propriétaires, il y a les bergers qui regardent. Mais ils regardent chaque combat. Celui qui suit, comme il faut, il peut dire, il y a la première, celle-là, il perd de 3. Puis l'autre, après, il perd déjà de 7. Il garde les airains, c'est pour avoir le titre suprême. Quand il y a deux qui se bagarrent, le rôle des rabatteurs, c'est pas laisser aller une troisième dessus. Parce que les unes, ils sont méchantes, ils volent aux côtes. Ils vont dans les flancs. Il y a de celles qui font pas un jour sur l'alpage. L'année passée, elle a dû prendre en balle, avait déchiré les naseaux. Ça arrive, mais rarement. Des petites éraflures, mais des grandes blessures, rarement. En tout cas, quand ils sont en haut, les vaches, on est toujours sur le qui-vive. Ah, tu dois être en forme, là, parce que tout se déroule impeccable. T'es toujours un peu tendu. Une fois l'inal passé, c'est le travail des employés qui commence. La traite commence tout de suite. Attacher les vaches, la traite à 4h et 16h, deux fois par jour, pendant 100 jours, sans interruption. Il y a la reine à corps, puis la reine à lait. La reine à lait, c'est celle qui aura produit le plus de litres durant la saison. Ce sera plutôt une blanche. Un propriétaire qui aura beaucoup plus de lait, il aura automatiquement beaucoup plus de fromage. Pour faire une moyenne dans la saison, je fais la pesée vache par vache chaque 15 jours pour la répartition des fromages à la ferme. Bonjour. Salut Paul. Ça va? Fini de traire. Presque, oui. Vous ramassez des myrtilles? Oui, on a ramassé. Il y a, par là? Pas beaucoup, ça. Pas beaucoup, hein? Mais si, ça dépend où il y en a. Pas partout. Où il faut trouver. Voilà, pour rôder. C'est le fromager qui a constitué l'équipe de bergers. Ils viennent tous de Roumanie. Il y a Vali, Eddy et Gabi, maître berger. Il faut beaucoup d'herbe pour nourrir des vaches. Il faut de l'herbe et de l'eau. Il faut compter 2 repas par bête et par jour. Toujours déplacer les parcs. Après chaque traite, quand on sort les vaches, ils vont dans un parc différent. C'est pour ça qu'on fait les corvées, pour qu'il y ait du pâturage. De l'eau et de l'herbe.
Les vaches ont besoin de 60 à 70 litres d'eau par jour. Ça fait 850 000 litres par saison. On a des sources, nous. On a de la chance. Moi, je me lève à 3h30. L'équipe, à 3h30, ils sont aussi debout. Ils commencent la traite. Ils doivent sortir les vaches, laver les écuries. Le fromager va en haut faire le fromage. J'ai un bon fromager, là. Paul Boboc. Là. Il est super, il organise tout. Je suis tranquille. Je me souviens qu'à l'époque, pour fabriquer le fromage, c'était tout au bois. Il y avait un foyer dessous la chaudière, mais la chaleur, on n'arrivait jamais à la régler. Ou trop chaud, ou pas assez. Et puis ça dépendait aussi de la qualité du bois. Puis bien sûr, quand tu as le bois, tu as la fumée. Le fromager n'est pas aussi blanc que maintenant. Il avait plus la couleur du ramoneur que du laitier. Les fromages, quand ils sortent des moules, ils les pèsent. Puis ils disent, ça c'est poids de presse. Mais en réalité, quand ils ont été à la cave deux mois et demi, ils diminuent 300-400 grammes, certains. Ça dépend aussi de la cave que tu as. Si tu as encore une cave un peu plus sèche, le 10% il est là. Ben oui, il y a des chiffres là, le page. Puis on doit tout noter. On est obligé d'avoir de la rigueur, autrement tu ne tiens pas la route. C'est un travail. J'ai regardé les deux premiers contrôles de 7%. Mais il faut encore calculer les 30 qu'il avait demandé de la salle. Ça, c'est tout que tu as calculé? Oui. Pour les donner maintenant? Les pièces, oui. On regardera après, dans 5 jours. Quand le lait a atteint la bonne température, on met le caille pour faire cailler le lait. Il faut être assez précis dans les temps. Soit en température, soit en temps. C'est ce qui fait la qualité. Il faut des connaissances, puis de l'expérience. C'est un fromager de talent, Paul. Mais des fois, là aussi, la boule au ventre, la première année, le souci. Dans la première année, ce n'était pas évident. Le bain de saumure sert à saler les fromages. Ils restent dedans 24 heures.
On produit en moyenne 600 litres de lait par jour. On fabrique 12 pièces de fromage, environ 60 kilos. Chaque pièce pèse 5 à 6 kilos. Ils coupent et ils égalisent, pour qu'ils soient de plus réguliers. Le petit lait, il chauffe à 90 degrés, même un peu plus. Il met de l'acide acétique, c'est comme du vinaigre, pour pouvoir transformer, faire sortir, remonter le sérac. C'est du sérac, c'est pas du fromage. C'est un sous-produit du petit lait. Il ne reste plus que de l'eau. À l'époque, rien ne se perdait. Après le sérac, ils donnaient aux cochons le solde de la chaudière. C'est pas le tout de fabriquer des bons produits, il faut aussi s'occuper à la cave, tous les jours, pour les amanger le plus rapidement possible. Passer la morge, jusqu'à ce qu'il ait pris cette croûte rose-là. C'est Eddie qui fait l'affinage, mais sous la surveillance du fromager. De toute façon, il va tous les jours à la cave. À Balavo, on fait du raclette, des tomes et du sérac. Les tomes affinés, au bout de 3 semaines, on peut déjà les manger, tandis que le fromage, 2 mois et demi, 3 mois, le minimum pour l'AOP. C'est des experts qui viennent prendre des échantillons dans les fromages. Alors voilà, on contrôle justement, c'est la première position qui est à l'extérieur. Et puis après, si avec la sonde, comme ça, on détermine s'il y a de l'ouverture ou pas. Et ensuite, on les sonde, puis on contrôle la pâte, et la pâte qui est contrôlée pour savoir si elle est longue, elle est fine, elle est courte ou elle est séraqueuse. Et puis là, on constate qu'elle est bonne, une ouverture qui est un petit peu chargée, mais qui est très bonne, avec une bonne pâte assez longue. Et puis maintenant, on va le déguster au niveau de l'arôme et le goût. C'est un fromage qui est jeune, mais qui a justement une bonne acidité et puis qui va justement avoir un affinage conséquent qui sera très bon. Auparavant, avec ses longues planches et tout, c'était pas évident, aussi bien pour soigner que pour nettoyer les planches. Tandis qu'aujourd'hui, il y a quand même une capacité qui est quand même beaucoup plus grande aujourd'hui, ce qui fait que aussi pour l'affinage et tout, ça aide. Cette année, Balavo a reçu la médaille d'argent du raclette AOP. Les livraisons, c'est tout moi qui fais. C'est que de la vente directe. Ils marchent bien les trois. J'ai aucun problème pour y couler. Des fois, de descendre en plaine pour 5-6 kilos de sérac, mais après, des fois, ils prennent du sérac, des tomes, puis sur la fin, encore des fromages. Alors, ces déplacements, ils sont pas inutiles. Ciao, salut, monsieur. Hein. Bon, ciao. Hein. Salut, monsieur. Pendant 100 jours, là, il n'y a pas de... Il y a des petits moments un peu tranquilles, autrement. Il n'y a pas de dimanche.
Oui, c'est Paul qui téléphone. Salut, ça va? Écoute-toi, je voulais faire une répartition de fromage, là. Je veux sortir 300 pièces. 250. Non, j'aurai de la place, mais je soulage un peu l'employé pour frotter. Et puis les premiers, ils sont prêts. Mais cette année, tu seras obligé de te contenter avec la vache, parce que cette année, elle a été bonne. Enfin, une bonne nouvelle, t'as l'air de dire. Non, tu vois, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Alors, à plus. Ciao, ciao. L'année passée, elle avait une vache, puis pas trop bonne, elle n'a pas tant été contente. J'ai dit, ma foi, la vendange, il n'y a pas toujours pareil. Alors, ceci, c'est les contrôles laitiers que j'ai faits. Il y a le numéro du bouton, le nom du propriétaire, le matin, le soir, le total, puis la moyenne du premier jour jusqu'au 21-6, et ainsi de suite. Tous les propriétaires, ils peuvent me demander pour consulter ça. Maintenant, on va passer à la carte. On va faire glacer 24 pièces. 24 pièces. 24 pièces. La cave, à la fin août, elle est presque pleine. Je fais une première répartition des fromages entre les propriétaires. Le fromager, il prend des fromages de différents jours, il ne prend pas tout du même. Avoir différentes dates de production. Oui. 100. Plus. 105. Plus. 103. Plus. 100. Plus. 100. Plus. 105. Plus. 105. Plus. 105. Plus. 106. Plus. 107. Plus. 56,4. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Meunier, 19 pièces. Da, 44, puiste. 44, 30 și 35. 65 pièces. 65 pièces. 12. 12. 16. 12. Cette année, ça a été une bonne année. Ils sont contents du rendement. Salut. Salut. Bonjour. Salut. Salut. Bonjour. À la fin de la saison, quand ça s'est bien passé, que tout a bien fonctionné, on est content d'arriver au bout, malgré qu'on a une fatigue intense. C'est beaucoup d'énergie dépensée pour une saison. Oui. La date de la désalpe, c'est quand il n'y a plus d'herbe à la montagne. Cette année, c'est le 21 septembre. Les vaches, le jour de la désalpe, elles sont aussi contentes de descendre dans les maillets. La reine, cette année, c'est Marseille, à Didier Favre, Didier Martignoni. Avant,
tout le monde vivait sur l'agriculture. Sinon, ils n'auraient peut-être pas eu à manger. Les vaches, c'était une histoire de famille, déjà pour faire les foins, pour donner des coups de main. Entretenir le paysage, c'est clair, s'il n'était pas entretenu par les paysans, ce serait des vaches ou des forêts. Ce ne serait pas des jolis terrains. Pour faire ce travail, il faut aimer. Sinon, on ne le ferait pas. Ben moi, j'aime tout faire, ce que je fais. D'être là-haut et puis pouvoir gérer ça, j'aime tout. Parce qu'on apprend beaucoup. Hein. C'est une richesse. Le jour de la désalpe, certains propriétaires mènent directement leurs vaches à la ferme, tandis que d'autres, ils font une étape intermédiaire au moyen. Moi, je reste pas au moyen. C'est la maman qui reste au moyen. Anne-Marie. De rester au Mayen, c'est des vacances pour elle. Elle prend ça pour des vacances. Ah, s'il ne peut pas aller là, au Mayen, elle n'est pas contente. Oh là là. Vous faites une tasse de café, ça suffit. Chaque année, il reste environ à peu près 3 semaines, depuis toujours. Quand il vient le froid et la neige, on descend le reste du troupeau à la ferme. Ce sac, je prendrai bien à la main. Je crois que je peux fermer la grange. On n'a plus rien à prendre ici dedans. Non, cette année, j'ai trop eu froid. Je sais pas, on supporte plus, j'ai trop froid aux pieds. On a toute la nuit froid aux pieds. Il faisait trop froid. Puis c'est long la nuit quand on ne dort pas, hein. Toute la nuit sans dormir. C'est long. Vu que tu n'as rien qu'un petit falot qui ne l'éclaire pas, tu fais quoi ici en haut? Tu n'as pas ni télé, tu n'as rien. Alors on se cache au lit, on fait le tour du cadran jusqu'à 7h30 le matin. Voilà, c'est comme ça la vie du Mayen. Voilà, c'est tout, je crois. Ah, mais ce soir, on dormira au chaud. Bon chaud pour dormir. On commencera bien. C'est le bois, l'électricité, ici en haut. Le bois. C'est tout au bois. Préparer le bois pour l'année prochaine.